Bonjour Orgasmique, bonjour Fuzati, n'oubliez pas de me faire caca dans la bouche en rentrant de l'école. Je les déteste. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre les titres. Si ça vous gêne de rajouter quelque chose sur le texte, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Ça prend très bon lien. J'aime porter des chemises roses afin de symboliser le fait que je ne suis rien qu'une simple feuille de papier toilette. Vois torcher l'anus du monde jusqu'à l'instant recouvert de trop de merde, ils finissent par craquer. Comme chaque être humain, mon existence ne trouve de réelle justification que dans cette mission de nettoyage. J'essuie, non, j'éponge la merde des gens réciproquement au fond pareil et finissent par craquer. Pensant peut-être que ma main désire se fatiguer afin d'extraire mon portefeuille quelques pièces qui finiront au fond du sien. Ce type hurle dans mes tympans qu'il estime ne pas comprendre pourquoi la ville a toujours considéré comme s'il était un chien. C'est bien, moi j'estime qu'il n'est pas très malin de mendier les pieds insérés dans des baskets onéreuses, spongieuses et la matière qui se colle contre mon corps. Cet homme a le ventre flasque, des poils lui sortent du nez. J'aimerais vous parler de vos odeurs, gardez-les. Le métro n'est qu'un ramassis de fange. Ce n'est pas les bons porcs qui brûlent si tu mets le feu à une grange. Leur esprit tout se convertit, il prie sans même le savoir, le dieu consommation assis avec une bière dans le canapé de leur salon. Des millions d'écrans prêches remplissent leur boîte crânienne d'images. Pourquoi devrais-je regarder la télé? Est-ce qu'elle me regarde, elle? La vie n'est pas belle. Sous son fond teint, il y a des cicatrices. Ses jambes ont des varices et je suis sûr que son vagin accueillera ton pénis comme il accueille déjà des centaines de MST différentes. Désespéré à chaque fois qu'une femme enfante, je réalise qu'en fait, je n'aime pas beaucoup les gens. N'aie pas peur, donne-moi la main. Essayons de partir ensemble dans ce pays magnifique qu'est le hip-hop. Comment, tu n'as pas de billet? Tant pis, allons à Châtelet. Sur le chemin, nous buvons des bières en parlant des aspects qu'on a baisés, des freestyles qu'on a posés, de bientôt comment on va peser. Au fait, j'ai écouté ce que tu fais, c'est frais. Faisons un morceau ensemble pour dire que la vie dans la rue c'est dur pour les jeunes fumeurs de joint qui niquent les flics à cause de l'état français. Une de mes connexions a un studio dans sa maison. Donc demain, toi et tes gars, rendez-vous 15h, RER A. Surtout, attendez-moi bien. Ouais. Je ne viendrai pas. Et non, je ne suis pas quelqu'un de très sympathique et comme Cool Kid, si j'ai envie de te dire, afin que tu comprennes que je maîtrise aussi bien la haine envers chaque représentant de l'espèce humaine que la langue de Shakespeare qui n'est autre que l'anglais. Tu avais compris? Finalement tu n'es pas si bête. Dans le rap je n'aime que les gens qui disent que le club des losers n'est même pas du rap parce que eux me laissent tranquille. Aux femmes, aux hommes, aux transsexuels, aux chiens, aux chats, aux oiseaux, aux MC, à ma mamie, aux enfants, même aux gentils, à mes problèmes, aux bactéries, j'ai envie de dire ceci. Ne me parlez pas. Baisez les gens. Baisez les gens. Et dire qu'avant j'avais été quelqu'un de gentil, c'est fini. Baise les gens. Une manière très personnelle d'affirmer ma croyance profonde dans la misanthropie. Les bribes de leur vie pathétique qu'ils hurlent au travers de leur téléphone portable me donnent envie de me trancher la jugulaire en criant: buvez mon sang, il est contaminé. Ils me sortent tous dans les yeux, ce qui me change des larmes. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le mouchoir adéquat pour les essuyer. Je suis moi-même la feuille de papier toilette la plus rugueuse qui n'ait jamais existé.